tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 4, toujours dans les premières heures de jeu. Alors vous le voyez, je suis arrivé à un point important, c'est pour ça que je vous le propose. Il va falloir que je choisisse entre Amita et Sabal. Donc on va voir. Moi je pense partir pour Amita, qui est vraiment, entre guillemets, dans l'esprit de gagner la guerre. Et Sabal plus dans le truc de sauver ses hommes et tout, mais je me dis qu'il faut vraiment essayer de remporter cette guerre, donc je partirai sur Amita. Allez, voyons voir. Il y a les deux là. D'abord, on va continuer. On va commencer à fouiller. Allez, on va, hop. Voilà, c'est bon ça. Clac. Donc on a dit Amita. Allez. Moi, je choisis Amita. Amita, je peux t'avoir ces infos. Ok. On a entendu parler d'une grosse attaque, et puis il y a eu Banapur, mais ça cache quelque chose. Je pense qu'un assaut est toujours prévu, et ces infos peuvent le confirmer. Depuis la dernière attaque, on n'a pas eu de nouvelles du camp. Sois prudent. Ok. T'inquiète. Je vais y aller. Mission équilibre du pouvoir. Amita veut que vous récupériez des renseignements dans un camp du Sentier d'Or. Si vous acceptez cette mission, vous rejetterez celle de Sabal. Moi, je l'accepte. On va aller chercher les infos. Sabal, au revoir. Rejoignez le camp Alpha. Ok, c'est par là-bas. Est-ce qu'il y a par ici un truc? On va fouiller aussi les cadavres. Hein. On ouvre boîte, super. Ah, il y a un coffre. Ouais. Bon. À prendre le 4x4. Vous écoutez Radio Free Kirat. Comme vous le savez, Pagan se sert de l'ancien distributeur de télé local. Ah, il faut que j'aille comme centre de trafic d'opium pour Paul de Blair. Ça passe ou pas là? Ah non, ça passe pas. J'aurais cru, mais c'est pas passé. Ah, il y a deux morts là. Et elle. Par contre, faut que je trouve une bagnole là. Je vais quand même pas aller tout là-haut à pied. Putain, je l'ai pas eu. Dégage, dégage, dégage. Là. Hop là. Pas 50. Soigner. Là, je devrais trouver quand même. Ouais, ok. Là-bas, je devrais trouver une bagnole. Voilà. On va la prendre. On va suivre la route. Ça se conduit pas bien ces merdes. Vous êtes branchés sur Radio Fekiran, ici Rabi Rerana. Bon, je voudrais vous parler d'Amita, une guerrière intrépide, un chef respecté, la grosse balèze du Sentier d'Or. Et puis pour moi, je la trouve. Allez. Est-ce qu'il faut monter? À le faire, hein. À le faire un rappel. Ouais, ok.
par là. Ici, elle a une plante. D'ailleurs, qu'en soi, ça me fait une belle jambe. Très bien. En fait, je vois pas trop où je dois aller, quoi. Ce qui me fait chier, c'est que c'est plus de l'autre côté. J'ai pas vraiment l'impression de prendre le bon chemin. Ça, c'est plus gênant. Je vais reprendre la voiture. Celui-là, non, je vais pas du tout dans la bonne direction. Je vais laisser en bas, là-bas. Descendons. Je ne suis pas du tout dans la bonne direction. Donc c'est pas la peine. Ouah, et ben là, c'est un miracle. Heureusement que j'ai tapé l'arbre, sinon je chutais. Hein. Vous écoutez Radio Free Kirat. Comme vous le savez, Pagan se sert de l'ancien distributeur de télé local Kirati comme centre de trafic d'opium pour Paul de Blair. Je me demande si les autorités étrangères... Ouais, dommage, hein, pas chier. Et pas rester là. Quoi, de Blair utilise les mêmes canons, les mêmes fermes, les mêmes entrepôts, tout ça sous le vieux logo de Kirati. Bon, il faut que je tourne à droite, je pense, là. Mais apparemment, ça dérange personne par ici. On n'a pas de brigade de stupéfiants dans ce pays, pas de DEA comme aussi. Je vois pas trop où aller, quoi. C'est ça qui me gêne un peu, moi. Et ils s'en foutent qu'on sache cette ville de la drogue. Faut dire, c'est pas comme si c'était la drogue qui allait faire péter le bas. On va aller voir. Massacre, les tortures et le travail forcé. Y a pas un conseiller qui va aller dire à Pagan dans son palais. Tiens, un ULM. Testons. Mal ça. Ça va me permettre au moins d'aller facilement là où je dois aller. Ouais, ou pas d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ça c'est la loose par contre. Oh, la grosse loose là. Ou comment mourir connement. Oh putain. Ah si, je suis revenu, hein. D'ailleurs je suis bien mort. Putain, je suis vert. Allez, on va vendre parce que là... Annulé, ça on vend. Journal on vend. Temps à récupérer de la thune. Ah mais mon nom... Ça c'est autre chose alors. Compétences. Bon, oui, on va. Il faut que j'arrive à aller au bon endroit. Donc, faut chaud une bagnole. Et là, s'il va y en avoir une là-haut, logiquement, il doit y avoir la mienne, celle que j'ai abandonnée. On le retente ? On le retente. Moins crispé. Peut-être plus direct. Surtout qu'il faut que j'arrive à monter, quoi. Ah, tranquille. Ah mais c'est l'altitude, faut pas que j'aille trop haut, en fait. J'étais en train de pondre la machin là. C'est juste une question d'altitude en fait tout à l'heure. C'est juste que j'ai vraiment fait le con, je suis allé trop haut. Au moins ils s'attendront pas à me voir par ici. Ok.
Des mercenaires, ça, dépensez vos jetons en utilisant V, puis appelez des mercenaires. Ok. Alors, je vais essayer de me poser un petit peu avant là. Pour y aller en sécurité. Voilà, ici. Descends, descends, descends. Voilà. Il vient de se faire couper en deux. Et on voit. Et il m'a touché, hein. Ils communiquent entre elles en sifflant. Ils peuvent vous repérer derrière la végétation. Ah, la vache, c'est chaud ça par contre là. On va essayer peut-être de prendre l'arc. Flèche, ça c'est quoi ça? Munition fusil d'assaut. Ok. Donc là, faut que je fouille les cadavres. Bien. Je me mets à brûler moi aussi. Comme il y avoir un type là-haut. Ok, ici il y en a un. Voilà, ça m'aurait étonné. Très bien. Celle-là, tu l'as pas volée. Mais heureusement qu'il m'a loupé parce que. Bien. Il est où? Je l'ai pas vu. Voilà. Non, mais par contre, les flèches, ça fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Hein. Vraiment pas se louper quand on a un mec. Ah, je suis mort. Mais ouais, il m'a eu, hein. Putain, trois flèches. Il bouge bien en plus. Au moment où j'ai lâché, le mec il s'est décalé. Donc là, j'ai combien de renseignements? 1 sur 3 toujours. Il est où lui? Quoi? Ouais. Mais il tire super vite, eux. Où il est? Même c'est que là j'ai rien trouvé encore.
Ah, c'est impressionnant comme... Oh la vache! Ouh, là c'est costaud, hein. C'est très 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 costaud, là, avec les chasseurs, là. Mec, je vais pas m'emmerder. Dégage. Y'en a un là-bas. Il va falloir qu'il y en a un autre là, par là. Où il est? Bien sûr, tu montes là toi. On va. J'ai bien fait d'analyser la situation. Oh, il y en a un là-bas. Où il est? Je l'ai vu. Putain, je l'ai touché pourtant, hein. Voilà. En bas là-bas. Pleine tête. Bon. Maintenant, vais-je pouvoir fouiller tranquille un peu? Voilà. Quand même. Découper ça parce que... Wow. Encore? Allez, c'est pas rester trop statique, hein. Bien en mouvement. J'ai senti celle-là. Du moins, je l'ai entendu. Il est. Saignement, ok. De munitions, j'en ai pas besoin. Et on va. Alors, on va faire un truc, c'est est-ce que je peux améliorer, c'est pas ça. Compétences. J'en ai combien? J'en ai 3. Voilà. Confection, qu'est-ce que je peux me faire là? Rien. Rien du tout. Bon. Eh bien. C'est vrai qu'il n'y ait pas un chasseur par là. Putain, je peux pas le faire. Ah ben. Vite, avant de... Lui, il est au fond là. Hop là. Les renseignements à tous les coups sont dedans. Non, étonné. Amita, j'ai les infos. Ok, AJ. Maintenant, rejoins l'autre camp et vois ce que tu peux faire. Ok. Normalement, là-haut, il y a mon véhicule. Par là, là, logiquement. Il est toujours ou pas? Ah bah non, il est plus. Oh, comment je suis deg. Ouais, comme je suis mort. N'a pas gardé.
équipé de flèches incendiaires. Ça, je le sais, merci. Et on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Tu veux m'attaquer, toi ? Problème, l'aigle. Il est où ? Waouh ! Il y a une bestiole qui m'attaque, là. Où ils sont ? Je les ai perdu de vue, les deux, là. Ok, dégage, toi. Moins une. Moins une. Il est le deuxième. Il y en a... Ils étaient deux, hein, il me semble. Oh putain. Dégage, toi. Il est où? Pas l'antidote. Je me casse. Ouais, c'est là, ça sert à rien. Putain, mais ces putains de serpents, en plus, on les voit pas bien. Ok. Oh l'enculé. Et viens, viens. Oh, sans déconner. On fait le con, j'aurais pas dû utiliser mon arme, j'aurais dû utiliser l'arc là. Oula, pas bon là. C'est que tout à l'heure l'arc ça m'a pas. Ouais, super, bien joué. Ah, je me dis qu'il faut que je prenne l'arc et. Bah, tu vas essayer déjà pour commencer. T'inquiète, je suis encore là. Ça, il a eu de la chance, t'as vu ça où toi? Oh, il est où lui? Oh, j'ai juste vu la flèche, hein. C'est bon, je l'ai vu. Hop là, pleine tête. C'est mal, non? C'est ça, bien combattu mais t'es mort. Il est.
Putain, je le vois pas. Ah, puis ce qui est énorme, c'est qu'il bouge vachement vite, quoi. Il est par là. Voilà, c'est fait. Non mais... Amita, tout le monde est mort ici. Merde. C'était des bons soldats. Ils sont morts. Oh. Dis-moi que ce sera pas pour rien. Tu as trouvé des infos? On dirait la carte d'un genre de temple. Parfait, AJ. C'est peut-être important. Je vais regarder ça. Merci de m'avoir suivi sur ce coup. T'inquiète. Il va revenir lui ou pas? Lui va venir là. Je le sens bien. Bon, allez, on se casse parce que là, j'ai pas envie de me faire attaquer par un aigle. Karma a terminé. Hein. Voyons voir. Ok, j'ai rien à récupérer. Des munitions. Ouais, ok. Là, il y a même pas une... Putain, il y a rien, quoi. Si, ça c'est utile, par contre. Logiquement, dans mon inventaire, je dois avoir... 2-3 trucs... Sac à butin, je dois pouvoir faire des... annulé. Confection seringue, ok. Donc je peux pas le faire d'ici. C'est que moi il faut que je trouve... une bagnole pour me casser, ou au moins un véhicule. Waouh! Et si on essaie de tuer le rhinocéros? Je croyais que ça peut le faire. Allez, on essaie. Oh! Saloperie! C'est bon. Attention. Ouais ouais, moi je vais me dépecer celui-là là. Ah. Voilà. Attention. Ouah. Oh bah oui, c'était sûr ça. Oh la vache, voilà, je suis mort. Allez, crève, 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 crève. Tape. Ah bah quand même. Ouf. Je veux le dépecer lui. Encore un bandage. Ouais, très bien. Je peux pas le dépecer. Oh bah dans ce cas là on va aller jeter quelque chose. On va jeter tiens, la mignonnette. Voilà. Lui je veux le dépecer. Voilà. Alors, on verra ce que je peux faire avec ça. Très bien. Ouais. On achètera des munes, ça me permettra d'utiliser. C'est quoi? Oh non, je suis pas les tortues. Allez go.
On va essayer ça. Ouais. Tuer tous les gardes avant de détacher les otages. Oui, sauf que je vois pas où ils sont, mais... Ou pas ça? Ça c'est fait. Bien vu celle-là. Tranquille, tranquille. Je veux pas de mal à toi. Non, je te veux pas de mal. Hein. Ah, c'est peinard. Là-haut, ça doit être. Ok. Ouais, super. Ça, c'était du gros événement. Moi je t'ai rien fait. Ouah hein. J'ai rien fait. Bon, j'avais rien fait au rhinocéros, c'est terrible. Porte-le. Oh. Éviter. Putain, je suis vert, je me suis fait buter là pour rien en plus. Bon, Rhino, j'avais rien fait. Ah, et là, celui-là. Bon, tant pis. Ah, quoique, bah, ça fait chier quand même. Hein. Peau de léopard. Ah, du coup, j'ai plus les peaux de Rhino, j'ai plus rien quoi. Allez, hop. Kill. On va prendre la voiture là. Du moins on va essayer et on va se casser. On va retourner là où il y a sa balle. Peut-être me donner une mission lui. Un message du ministère des Affaires publiques et de l'harmonie sociale. C'est sûr. En Kirat, on y croit tous. Agit pour le bien du Kirat. Ses projets d'avenir pour notre pays lui rendront sa place dans le monde pendant des générations. Le sentier d'or veut réduire à néant l'œuvre immense qu'il a accomplie. Reniez le sentier d'or et soutenez votre roi Pagan. Putain la vache. Je sais pas ce que je traverse là. Là j'ai traversé un camp qui est... Ah oui 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 oui. Là je suis pas au mieux là. Fais chier lui hein. Mais je crois pas non. Ah ta gueule. Ouah. C'était pas une bonne idée ça. Non effectivement là ça va être compliqué. Ah ça va être rigolo ça va.
animer un peu les débats. Il est parti. Allez. Par là. C'est ce que tu crois. Merci. Allez. C'est bon, on se casse. Allez. Ça va mieux. Ça va, il est par là. Ceci est un message du ministère de la communication. Les tours radio du Kirat sont la propriété de Pagan Min. La manipulation, c'est chaud, là, de ces tours est une grave infraction. Si vous voyez quelqu'un en train de grimper à une tour radio, vous devez immédiatement en avertir le membre de l'armée royale le plus proche. Voilà, tout à fait. Que la lumière de Pagan vous inonde. Ah. Allez, on va aller tranquillement jusqu'à sa balle et puis on se laissera là-dessus. Oh la vache, faut qu'ils arrêtent, oh. Il me désingue à tout bout de champ, hein. Ah, je vais arriver à sa balle, ça doit être pas mal quand même. Ceci est un message du ministère de la protection de la patrie. Ce message est adressé au sentier d'or. Problème là ? C'est où maintenant ? Bon. Ok. Allez, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. On a rejoint sa balle. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et on verra ce que ça nous propose dans un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.